Yo les petits potes, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui les gars, nouvelle très grosse vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, c'est très simple, j'ai été contacté par Square Enix et Marvel pour mettre en avant leur jeu Marvel Avengers. Et en gros, le but de cette vidéo, ça va être de savoir si je pourrais être un bon Avengers. Est-ce que je pourrais rejoindre les Avengers les gars, sachant que j'ai des super pouvoirs. Regardez, je vous montre un super pouvoir que j'ai tout de suite. Je sais faire ça avec mes doigts, peu de monde savent le faire, c'est incroyable. Bref, du coup les gars, pour cette vidéo, Marvel Avengers m'ont concocté des teasers. Vous faites quoi là les gars? On joue La porte a été ouverte. Bah ouais mais ok. Au pire, vous savez quoi? Venez, on se teste à 4. Bah gros, let's go. On se teste comme ça, on voit c'est qui le meilleur Avengers. Let's go, je suis chaud là. Vous êtes chaud les gars? Bah, vous êtes chaud? Du coup les petits potes, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est très simple. Je suis en compagnie de Valouz, de Gizzy, de Piware. Et on va se tester sur plusieurs épreuves différentes. Il y aura un classement en mode Jeux Olympiques pour savoir qui est le meilleur. D'ailleurs les gars, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Il y aura un cadeau pour le gagnant. Ah, ça va jouer cette vidéo. Le gagnant de cette vidéo ne repartira pas les mains vides. Mais de quoi vient ça? Mais non. Les gars, oh, wow, non, arrête, en vrai c'est dingue. En vrai, le gagnant de cette vidéo, il repart avec deux objets en plus. Arrête. Bouclier Capitaine America, marteau de Thor. C'est archi stylé. En vrai c'est stylé de ouf. Donc voilà, et bah je vous propose qu'on parte tout de suite pour la première épreuve. Vous êtes chaud ou quoi? Vas-y mon gars. Vas-y, go, tu me dis où c'est, là-bas là. Bah, c'est là-bas là, c'est juste là-bas. Ah ouais, là-bas là, c'est là-bas. Genre là, yes. Là, ouais, là juste là-bas. Là-bas là, ouais. Salut Maël, ça va ou quoi? Salut les gars, ça va? Salut, ça va, tranquille. Ouais, on va commencer par s'échauffer. Vous avez pas commencé comme ça directement? Ok, vas-y. Ah, ouais. Okay. On va faire un échauffement crescendo. On va commencer par le bas, on va monter jusqu'en haut. On va faire 10 tours d'une cheville. Ok, on va dans l'autre sens après. Le suivant, on colle les deux pieds. On met les mains sur les genoux. On fait 10 tours d'un côté, 10 tours de l'autre. Ok, on passe au haut du corps. On fait 10 tours vers l'avant. Et pour finir, la tradition, c'est les pompes de lanceur assez serrées. Et on vient ici. Et on finit par 10, comme ça on sera bien échauffé. Allez. Il est à bout de... Et pour finir, du coup, on va aller sur l'air de lancer, faire un petit échauffement des jambes, explosif. Let's go. Donc, vous choisissez votre poids. Donc, pour finir l'échauffement, on va mettre les pointes de pied sur le butoir. Donc, ça, c'est le butoir. On va prendre le poids dans les deux mains. On va le lever au-dessus. Donc, à vitesse, vous allez descendre. Ici, c'est lancé. Allez, Valouz, tu commences. J'ai un petit peu la boule au ventre. Oh. J'ai peur. Allez, belle. Alors. Ok. Mais t'as pas... Fallait sauter. Maintenant, vous poussez vers là. C'est en fait, ah oui, tu mets un saut vers là. Ah merde, t'es en arrière. Et puis, where? Et boum. Ok. C'est bien ça. Très beau lancer. A toi Mich. Vas-y à moi, allez c'est parti. Ok. Ah ça va. Ouais petit frérot, j'ai 18 kilos, ça va. C'est vrai que toi t'as la boule la plus grosse. Oh. Ça va en vrai. Oh, pas mal. Pour du 7 kilos. On va chercher les points. Allez c'est parti. Je vous présente l'art de lancer. Donc le cercle avec le butoir et l'art de lancer. J'allais le faire quoi. Donc le butoir, il y a une règle, c'est que vous n'avez pas le droit d'arriver au-dessus comme ça. Sinon c'est mort. Vous avez le droit de le toucher ici. Et la dernière règle, c'est avec le poids, il doit tout le temps être collé jusqu'à la fin du lancer. Donc avec les lents, on va faire en pas chassé. Et chaque trait, ça représente un mètre. Donc pour lancer, poids collé au cou, vous collez au maximum de l'air. Vous allez fléchir ici et vous lancez. Ah ouais. Ok les gars, du coup là, on va commencer officiellement la première épreuve. Du coup, je vais vous expliquer le système de points les gars. En gros, il y a plusieurs poids. Il y a un poids de 4 kg, un poids de 5 kg et un poids de 7. On aura 5 lancers. On lance avec 5 poids, les poids que tu veux, sauf que si tu prends le poids de 4 kg, t'as 0,5 points par mètre, le poids de 5 kg, t'as 1 point par mètre, et le poids de 7, t'as 3 points par mètre. Ah ouais, ouais. 3 points. C'est plus donc, rentable de prendre le 7. Tu vas lancer moins loin, mais tu prends plus de points. Ouais. Est-ce qu'il y a une réelle différence en vrai entre 4 et 7? Tu le sens vraiment? Ah oui, oui. Tu commences avec le 5. Tu prends le 5, ok. Donc là, c'est 1 point par mètre par exemple. Ouais. Oh. Oh. Attends, mais c'est un beau lancer. Vas-y, je vais prendre la 7 du mec. La 7 kilos. Ok. C'est très bien. Attends, il est trop fort. Mais attends, il est trop fort, frère. Il a mis 15 points en un lancer. Non, mais frère. Proba, tu lances main gauche. Jusqu'à la fin ou pas? Non, non, un tour. Un tour. Un lancer. Ok, Proba 4. 1, 2, 3, 2. Putain. Yes. Allez, tu tires main gauche. Le 7, main gauche. Oh wow, ça va frère. 4 ça va. En vrai ça va. Tout à l'heure j'ai fait 5 ça, ça va. Ça fait 3 ou 4? Ça fait 4. Attends, cette position tu vas être tendu. Yes. Et c'était le dernier pour Piware. Bien joué Piware. Merci. Bravo mon gars. Allez, vous êtes prêts les amis? Allez Valouz. Il commence avec la 7. Bah, je crois que tout le monde va tirer à la 7. Oui, ah décollé. Oh non. Tu vas à la 7. Oui, oh décollé. Oh décollé. Décollé. 0. Attends mais c'est chaud. Attention. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh il est validé, il est validé. Allez Valouz. Ok, c'est bon. Oh, c'est un quel beau lancer, c'est un beau lancer. Ah voilà, t'as géré là. Oh. Oh il a buté, Mais frère, j'ai fait tomber avec le poids de la boule. J'ai pas vu. La dernière, je la mets bien. Allez Valouz à fond, hein. Valouz au contract. Ok. Ah putain. Pas mal. 5 mètres, je crois. Ça va. Je me propose de passer parce que plus vous passez, plus je stresse. Bon allez Mich. Je commence par la 4. Allez, Gizzy fait plus Mario. Ok. C'est bien le cadreur. Oh, j'ai pas de force. Oh le 7. Oh my god. Putain, mais regarde cet affaire. Oh. Oh non.
aurait dû aller derrière la ligne. Oh. Encore 4. 5. Ah, ça va, ça va. Je sais pas si je vous ai dit, mais mon personnage préféré, c'est Thor. Oh, sur la ligne. Oh, c'est pas aller loin en fait, j'ai lancé plus lancé, t'avais dit. Que loin. Allez, autour de Guizzy, c'est parti. Tu commences avec le 7. Oh, c'est un beau lancé, sa mère. Guizzy, t'es trop fort. T'es vraiment beau en plus. Oh, wow. Mais gros. Ça fait 7. 7. Regardez bien son coup, hein. Oh. Oh. 7 mètres, ça. Ouais, 7. Oh là là, il est sur 7. Attends, mais il a pris une technique. Décoller. Moi je dis l'avare dit décoller. Oh, allez, allez, ça s'il dégage. S'il vous plaît, là, s'il vous plaît, montrez-moi que j'ai pas décollé là. Il a pas du tout décollé. Mais non, j'ai pas décollé. Il a fait combien, quelqu'un? Regardez. Vous êtes des bâtards. Franchement, allez, 8 ou rien. Si tu fais 8, ça compte. Ouais. Si tu fais en dessous de 8, ça compte 0 points. Allez, vas-y, on fait ça. Même moi. Oh. Oh, il est pas loin. Et franchement, mec, tu vises tout droit, elle est dedans. Oh, du coup, attends, du coup, c'est donc 0 points, du coup 0 là. Ouais, du coup 0 là, on dirait. On vient de terminer, du coup, la première épreuve. Est-ce qu'on s'en est bien sorti en vrai? Franchement, c'est propre. C'est donné à fond, Maël. Ouais, c'est bon. On a eu un bon formateur. On a eu un bon formateur. Ouais, je veux dire, c'est pas très compliqué, mais si vous rentrez dans les détails, oui. Très très bien, c'est dans les 8 mètres. Et on va dire, 6 mètres, ça commence à être... Enfin, on va dire, c'est les débuts, quoi. C'est vraiment ouais, le tout début. Hachier, c'est même encore avant. Hachier, c'est ceux qui décollent, qui font un peu... Est-ce qu'on peut me dire les scores dans l'oreillette? Non, en vrai, on m'a dit les scores juste avant, les gars. Alors, le grand dernier, Maël. Mais moi, j'étais en mode quoi? C'est pas moi. En vrai, en 4e place, avec 48 points, Valouz. Ah, ça me rappelle très cher, hein. Les deux échecs. En 3e position, avec 66 points. C'est, moi, je trouve ça énorme. Et je dis pas ça parce que c'est moi le 3e. Mais je trouve ça énorme, 66 points, les gars. Bravo à toi. 66 points. Du coup, là, ça joue entre le 2e et le 1er. Le grand premier, c'est Guizzy. C'est Guizzy. Avec moi, lancé. Du coup, les gars, alors, même si t'as 81 points, il a 48 points, ça compte pas vraiment. C'est pour cette épreuve, pour savoir qui est le premier et tout. En vrai, ça va se passer comment? Ça va se passer comme ça, c'est très simple. Le dernier, il aura un point. Dernier d'une épreuve, il a un point. Le troisième, il a 2 points. Le deuxième a 3 points. Bravo. Jusque là, tout est normal. Sauf que le premier, comme c'est le premier, il a gagné l'épreuve, il a un petit avantage de points, il a 5 points. Et c'est pareil pour toutes les épreuves? C'est pareil pour toutes les épreuves. Okay. Récapitulatif des points, maintenant. Du coup, les gars, je vous propose qu'on passe à la deuxième épreuve. Deuxième épreuve, on va rentrer dans la peau d'Iron Man. Donc moi, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Oh, allez, c'est bon. On enchaîne. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que tu nous as préparé, mon Mich? Tranquille. Alors aujourd'hui, on va faire du flyboard. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, j'avoue, j'en ai entendu parler. C'est un truc genre, t'as un espèce de skate qui balance de l'eau là. Alors ouais, tu vas être attaché à une espèce de petite plateforme qui est reliée à la turbine du jet ski et qui va te projeter en l'air en fait. Ça, ça va être 5 mètres de haut. Les gars, ça va être incroyable. Par contre, du coup, on est là pour une compétition. Le système de points, ça va être très simple, les gars. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement tenir le plus longtemps possible. En vol. Voilà, c'est ça, en vol. Ouais. En gros, bah tu vas nous faire une petite formation. On va s'entraîner. On va jouer, on va s'amuser, on va s'entraîner et essayer de rester. Et ensuite, on aura 3 essais chacun. On prend le meilleur de ces 3 essais, le meilleur temps. Et celui qui a fait le meilleur temps a gagné. Celui qui a fait le pire temps a perdu. Voilà, vous connaissez. Ok, d'accord, très bien. J'essaie de décontracter là en fait. Il a pris une voix de commentateur. Bon, vous êtes prêts? Archi prêt. Ouais. Chaud. Voilà. Important, on va voir alors. Ouais, allez, c'est parti. Changer, c'est ça. Allez, on va changer. Bon, bah je vais me changer, c'est parti. J'ai ma combi. On se met tout nu devant la caméra. Vous nous filmez quand on se met tout nu? Trop bien. Mais attends, mais j'avoue, comment on rentre dedans? Et c'est trop confortable, j'ai l'impression que je suis une saucisse. Mais c'est normal que ça soit serré. Attends, j'ai pu bouger près. Tu laisses un t-shirt comme ça? Ah merde, non, bah non. Mais aussi, tu t'es pas doué, gros. C'est collé partout. Tu veux la mettre à l'endroit ou pas? Oh. Je vais la retirer, j'étais trop le seul. Oh oui. Ah bah c'est mieux que tout à l'heure. On est paré là. Let's go, les gars, qui commence? Ah oui, j'avoue. On fait le jeu en haut en bas. Ah ça là? Celui qui est tout seul commence. 1, 2, 3. Allez. Allez Guizzy. Bon courage. Allez Guizzy. Allez, bonne chance. On met ton col. Oh, il y va. Allez Guizzy. Et quand on va le voir voler, ça va être incroyable. Oh. Ouais. Oh. C'est beaucoup trop bien.
Oh, ça a l'air incroyable, gros. Regarde. Eh, hey, ça a trop de flow. Oh. J'aurai le jet. Oh putain. Oh. On l'appelle Iron Gizzy dans le jargon. Ah ouais, il y a toujours. Oh. Oh, oh, il s'est le boss. Oh, le boss. Oh, il a fait. Hey, il s'est rattrapé et tout. Oh, il a rattrapé que nous. Oh. Wesh, comment il est haut. Wesh. Là, c'est le moment où tu fais ça. Il a le contrôle. Il est chaud. Là, il va faire son essai. Il y a 3 essais, les gars. On a 3 essais chacun. On prend le meilleur temps des 3 essais. Okay. Oh, déjà, là, il gère. Il a fait une bonne sortie. Oh, il maîtrise. Il reste le staff de fou. Non, mais là, il gère. C'est le moment de monter. Hey, il va être imbattable. Et il essaye de faire des petits mouvements de danse et tout. Il fait la macarena. Oh, le... il provoque. Il va tenir 5 minutes, on va être... Allez. C'est reparti, deuxième essai. Oh, allez, c'est pas. Ah, là, il va pas tenir longtemps là. Ah, ouais, là, il a pas tenu longtemps. Bon, depuis tout à l'heure, il fait des plats. Hein. Troisième et dernier essai. Il fait des demi-tours et mais tout. Attends, mais il gère. Aïe, 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 aïe. La machine. Bon, bah, le premier essai, c'était le. Il a mis à level. La machine. Le premier essai était clairement le plus concluant. Franchement, j'ai pas pronostiqué, mais je pense qu'il est dans le top 2. Tu passes en deuxième. Vas-y. Allez. T'es chaud. Allez. Moi, ça me va, moi. Allez, bonne chance, Piwer. Hein. Allez, bonne chance. Oh, Piwer, il y va, les gars. Oh, Piwer, regardez, il est déjà tellement confiant. Oh. Attends, il y va à fond. Allez, Piwer, c'est parti. Il a voulu sauter. Et, en vrai, pour un premier essai, c'est pas mal. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. En vrai, il gère de fou. Mais attends. Mais gros. Wesh, c'est quoi ça? Oh. Il remonte. Il a voulu plonger, il a fait un plat. Attention. Attends, mais il est archi haut, frère. Non, mais gros. Mais qu'il est aussi haut. Il est plus haut que nous. Et il a. Attention. Là, il va vouloir tenter une figure. Oh, il a plein de ses plats. Ça va? Ça va, mais c'est violent! Il a dit ça! Je me suis pris une armoire! Ok, les gars, il lance les 3 essais, c'est parti, c'est la fin de l'entraînement pour Piwer. Il est en train de. Oh non! Ah, vous êtes trop content! Yes! Deuxième essai! Deuxième essai, let's go! Oh là, il tient! Après là, il est pas bien. Toi, t'étais bien, tu faisais des petites danses, lui, il est pas serein là! Si, ça y est! Mais attends, mais gros, il est chaud! Mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse en plus! Mais j'avoue, attends, gros, il fait des gauches-droites comme si. Tu la vas, bro! Il fait la corrida dans le club! Mais gros, il est haut, frère! Mais attends, mais gros! Les gars, il va tenter un salto. S'il y arrive, je suis désolé, c'est un point bonus. Il va tenter. Wesh. Bon, Michou, c'est ton tour. À toi, hein. Moi? Bon, ouais. Ok, les gars, de toute façon, mon perso préféré, c'est Iron Man. Michou, c'est moins flex que. Ouais, là tu sais ce qui lui arrive. Là, à mon avis, il est enroulé. Parce que des fois, le câble il passe juste à côté de toi comme ça. Et genre, tu nages et tu touches le câble. Du coup, Michou, les gars, premier vol. Premier vol. Ah ouais. En fait, le plus dur, c'est se rattraper. Ah ouais, bah c'est bon, il va nous. Oh, elle est belle. Non, tu nages pas. Wesh. Attends, mais je tourne la tête, je le vois qui fait ça, gros. En tout cas, sachez les gars, faut pas avoir peur, c'est un truc à faire une fois dans sa vie. On a une vue, je sais pas si vous voyez ça, mais elle est phénoménale. Je tiens à vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous que je peux vivre des trucs comme ça, les gars. Et sachez que c'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure, je parle, mais je suis toujours dans les airs, les gars. Non. La reprise. Ah, c'est le premier coup, les gars, là, c'est son premier essai. Allez, Michou. Allez. Oh, le bateau. Wow. Il doit être minimum à 15 secondes là actuellement. Il fait la macarena. Le bateau un peu peur. Il va tomber sur le bateau bientôt, wesh. Lui-même un peu peur. Oh, il fait sa danse. Allez. Allez, Michou, deuxième essai. Là, il faut pas qu'il fasse le fou. Tant qu'il est dans un bon élan, faudrait qu'il te batte là. Elle a mérité sa victoire là. Ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. C'est une victoire, les amis. Ben c'est fini pour Michou. Valouz, Michou, il revient. Ça va être à ton tour là. Michou, t'es bien là, non? Non, regarde la gueule. Il fait le dauphin. Oh.
Tu vas voir, c'est trop facile. Franchement, t'as été grave BG là. C'est vrai? Non, non, franchement. J'avais du flow? De fou, trop de flow. Franchement, tu sais ce que je dis à Piwer? Moi, je pensais que t'allais faire entre moi et Piwer. Et là, à mon avis, t'as explosé le score. Moi, j'avais la pression. Gros. C'était incroyable. Oh, Valouze! Attention, première sortie d'eau pour Valouze. Mais regarde comment. Oh! Regarde comment. Oh! C'est ça! Valouze, allez! Dommage, c'est destiné. Putain, ce matin, j'étais en mode compétition. Et je sais pas pourquoi là, j'ai envie que tout le monde gagne. Ah, là, c'est parce que c'est une dinguerie, ça, quand même. Ouais, ça, c'est vraiment une dinguerie. T'as envie de voir les gens y arriver pour. Oh là là, mais gros! Il est trop bien! Là, c'est le premier essai, hein. Oh, c'est une sortie qu'il nous a fait. Regarde, il met où? Hey, Léo, il est où? Il a notre hauteur. Ouais, là, ça se voit, quand il est où, il aime pas. Oh, attends, mais il tient. Regarde, c'est vrai. Très bel essai. Quand il sort, il me tue, gros. De ouf. Il sort en allant vers l'avant. Non, 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 non. Ça compte pas. Oh. Yes, c'est sorti. Là, il a eu peur. Là, il a eu peur. Je crois que c'était sa plus belle chute. Allez, c'est parti. Troisième et dernier essai. Balouze. Je compte sur toi, impressionnant. Non, 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 ça compte pas, ça compte pas. Ah, ça a l'air d'être fini là, non? Faut qu'il refasse ça. Faut qu'il est mort, à la limite. Ah, ouais. On va le voir. Tu me tiens de toi. T'en fais un plat sur le ventre. Non, j'ai tapé une crampe au mollet, frère, tellement j'étais complètement. Non. Ah ouais. En tout cas, gros GG, Valouze. Ouais, GG, mon bal. Il y a le bal. Gars. Impressionnant, je suis fier de toi. Sinon les gars, ressenti global, je pense on a tous quelque chose. Franchement, c'était un truc à faire. C'est un truc à faire une fois dans sa vie. Bref, n'oublions pas, à la base, nous sommes ici pour la compétition. L'oreillette magique, s'il vous plaît. L'oreillette, elle est invisible, l'oreillette, dis donc. On vient de me dire les résultats. En dernière position, on a été fier de lui aujourd'hui. Valouze, avec quand même un score 26 secondes. Oh, c'est pas mal. Mon objectif c'était 10 secondes en vrai de vrai. Ouais. En troisième place, Gizzy. Il nous avait impressionné pourtant. Mais c'était pognon. Il nous avait impressionné. J'étais le crash test. Avec un temps d'environ 1 minute 12. Le duel des frères. Bien joué à toi. On ensemble. Bien joué à moi. Le grand gagnant de cette épreuve, c'est tout simplement moi. Avec 2 minutes 30. 2 minutes 30. Il a fait 2 minutes plus que moi, gros. Et Piwer qui a quand même tenu quasiment 2 minutes. Du coup, les gars, un récapitulatif des scores maintenant. Je pense que tout se resserre. Sauf pour Valouze qui prend un petit peu de retard. Les gars, j'ai envie de vous dire. Épreuve suivante. On se retrouve dès maintenant pour la troisième épreuve. C'est elle, parti. Elle est là-bas, je crois. Elle est là-bas, là? Ouais. Ah ouais? Ah ouais, putain, ah ouais, déjà. Mais ouais, gros. Je t'avais pas vu. Let's go, les gars. Allez, les gars. Salut, bienvenue à Fury Room, ça va? Check. Salut. Alors du coup, bienvenue à Fury Room. Merci. Vous savez ce que c'est ou pas? En quelque sorte. Ouais. Ouais. Alors du coup, c'est une salle de caisse. Vous allez venir ici pour casser des objets. Faut qu'on défonce tout, quoi. Exactement. On va s'équiper? Allez. En fait, on va rentrer dans la peau de Hulk, là. Je sais pas si je vous ai dit. C'est mon personnage préféré. Non, c'est mon personnage préféré. Non, toi, c'est Iron Man. Non, c'est Hulk. Je vous explique, vous allez tous enlever vos chaussures, vous allez les glisser sous le banc. Alors après, on va s'enfiler des petites combinaisons. Je vais tout détruire. Regardez-moi mon flow, les gars. Yo la team. Allez, c'est parti, les amis, prêts à tout casser. Team vert ici, gang gang. Team rouge, on va tout péter, les gars. Team bleu, j'ai plus le droit à l'erreur. Team jaune, ils sont pas prêts. Il a dit j'ai plus le droit à l'erreur. Bon les gars, du coup, on est dans la Fury Room, ça y est, là, on est dans un endroit, on peut tout casser. Comme vous le voyez, il y a des objets avec des couleurs. Chacun a sa team, par exemple, Piwer, team jaune, va devoir casser les objets jaunes. Et yes. Le but, c'est de les casser suffisamment pour remplir ses boîtes. Et celui qui a le plus rempli la boîte au bout des 20 minutes, il a gagné tout simplement, les gars. Bref, bah on est parti. Du coup, les gars, on va choisir nos premières armes. Allez, c'est parti, la batte de baseball, elle est pour moi. Ça, gros, je vais tout niquer. Pour la team bleue. Oh, mais gros, mais t'as pas compris, ça commence pas encore. Ah merde. Il a fait quoi? Mais gros, il a explosé un truc. Oh, le pied de biche, mon gars. Bon les gars, c'est parti, le jeu commence à partir de maintenant. On a 20 minutes, mais j'aimerais juste, pour notre satisfaction personnelle, chacun met un coup, on le regarde faire. Vas-y, attends, Piwer. On a tout pété en 2 secondes. J'aime trop les merguez. Regardez comment ça tryhard. Wesh.
Les gars, j'aimerais me confier à vous. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je viens d'arriver chez moi, il y a des gens qui sont en train de tout casser partout là. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu pour me soutenir, s'il vous plaît. Pardon. Balouze, lance-moi le PC en mode baseball. Oh les gars, je suis en sueur. J'ai tout rempli là. Putain, Balouze, c'est un fou. Les gars, il reste 20 secondes. Oh putain. On a plus de temps. Fini. J'en peux plus. On doit tous avoir des sales têtes là. On vient de terminer l'activité. Je vais pas vous mentir, je suis mort. L'activité et la plus épuisante de ma vie. Les résultats, on va avoir besoin d'oreillette magique. Ça va être compliqué. Hein. Parce que j'ai aucune idée des classements. Moi, je dis Balouze, je crois qu'il a fait la remontada. Ouais, je pense que Balouze, il a fait le taf. Le maître. Le maître. L'oreillette magique. En vrai, avec le maître, moi, je suis perdant alors. Ouais, il va au-dessus lui. Il a les temps, Balouze. Balouze, je pense que tu l'as rempli entièrement. Là, les gars, c'est vraiment compliqué. J'ai mon classement quand même. Ok, vas-y, dis-le-moi. L'oreillette magique vient de me dire son classement. Du coup, malheureusement, dernière place, nous avons Gizzy. GG à lui quand même. Il était premier. Il va perdre un petit peu de place dans le classement, je pense. En troisième position, l'homme le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, moi-même. Non, en vrai, voilà, je suis troisième, les gars. Du coup, première position. Il l'avait dit, son personnage préféré, c'est Hulk. C'est, bien évidemment, Balouze. Yes. Il a gagné, les gars. En vrai, il a rempli beaucoup plus vite. Il n'y a rien à redire. Celui qui a le plus rempli. GG. Et du coup, Piwer, deuxième place. GG aussi. Bravo. Deuxième, c'est une belle place. Je pense que la dernière épreuve, c'est vraiment celle qui va tout déterminer. L'ultime. Ça va être l'ultime épreuve. De ces Jeux Olympiques. Il est temps de passer à la dernière épreuve. C'est parti, on y va. C'est là-bas. C'est par là, en fait. Ouais, j'ai chaud. Juste à monter les escaliers. C'est parti. Allez, les gars, on va la gagner. Les gars, c'est une dinguerie. Ça va? Bon, il a l'air concentré, là. Oh frère, attends mais ça va. Tu nous as ramené où là? Attends. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. Les gars, je suis pas certain de l'activité là. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente Kazé Calabert et aujourd'hui je vais vous familiariser avec mon art. Bien sûr, avant d'entrer sur le tatami, il faudra enlever les chaussures et bien sûr il faudra s'habiller. Ok, on y va direct. Oui, allez-y. Let's go. Allez, vas-y, c'est parti. Putain, let's go les gars. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui vous attend 4 épreuves. S'il y a une égalité, il y aura bien sûr une 5ème épreuve. Oh. Les deux qui obtiendront le plus de points pourront s'affronter dans un combat final. Donc spécialement pour vous, avant chaque épreuve, je vais vous montrer un peu de quoi on peut être capable avec un peu d'entraînement. On appellera ça le mode expert. Est-ce que vous êtes prêts pour la première épreuve? Carrément, je suis prêt. D'accord. Je suis chaud, mais hype. Bah ça va être l'épreuve de la force. Vous allez devoir casser des planches de bois avec de vos poings et de vos pieds. Ouais. Mais non. Je vous montre le mode expert. Le mode expert. Ah ouais, il y a des modes. Attends, ouais, je pense qu'on va être choqués, frère. Maintenant, on passe à votre épreuve. Donc l'un d'entre vous va tenir cette planche comme ceci. Tiens, prends-la. Ok. J'ai trop peur. Et maintenant, on va passer avec le pied. Ça fait mal, hein? Ok, attendez, les gars, parce que, attendez, on n'a même pas dit les règles. En gros, Balouze a 4 planches à casser, 1 point par planche, mais là, il a réussi one shot. Maintenant, tu vas le faire au pied. Oh! Mais c'est un super héros! Wow. Mais la mec, c'est nul! Maintenant, 2 cm. Vous êtes où? Ça va mal! Moi, je passe pas. J'ai eu moins mal. T'es un peignoir perfect. Hey, si c'est le dernier, celui-là. Hein. T'es trop fort. Vas-y, tu peux y aller. C'est toujours parfait. Yes, il est trop fort, cet homme. 4. Je vous mets pas super. Il est beaucoup trop fort. Allez, dis, on compte sur toi. Oh là là. Et t'as vu? Oh là là. Maintenant, on passe à celle de 2 cm. Mais il est trop rapide, t'as vu la dextérité? En vrai, c'est sec. En fait, j'essaye d'être fluide et à la fin, c'est tout contracté. Voilà, c'est ça. Oh, allez, c'est facile. Il a tout cassé. Il a tout cassé, il est imperfect aussi. Et il a les 4 points, il a tout. Alors Il est dingue.
Let's go. On passe à plus difficile maintenant. Voilà. C'est bon. La vengeance. Imagine, c'est la tête de celui qui a cambriolé le bouseux. Oh là là. Vous y allez pour toi. Voilà. Let's go. Je peux faire une célébration? J'ai la pression, mec. Eh, hey, c'est pas mal. Wow, pas mal du tout. Bah, tu as les, ouais, tu as 3 points. Non, ça va. Mais là, peut-être un peu plus haut. Mmh. Ok. Oh, incroyable. Il a accepté le challenge. Hein. Voilà. Oh. Eh, mais il le fait en simplicité. Bravo, oh là 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 là, mais... Il y a eu une petite hésitation. C'est du recommence. Il a fait comment? Il a fait... Bah super, 4 points. Donc là, l'épreuve d'agilité, il va falloir reproduire le plus fidèlement possible mon enchaînement au tribattant. Oh. Hein? Puis, à la fin de l'enchaînement, il va falloir taper une balle en plein vol à l'aide du tribattant. Donc celui qui reproduira le plus fidèlement possible mon enchaînement au tribattant gagnera un point. Ok. Et un point supplémentaire sera gagné à ceux qui arriveront à taper le ballon avec le tribattant. Je vous montre le mode expert ou pas? Oh, ok, vas-y, le mode expert. Oh, attends, il va décoller là. C'est une éolienne. Ouais, c'est un hélicoptère. Oh. Wow. Ah ouais, là, il rigole pas là. On passe à votre épreuve. Donc ouais, en la promettant, je vais commencer au ralenti. Donc, vous venez avant, droite, gauche, droite, gauche. Demi-tour, on frappe. Élan. Oh. Ah ouais. Je pensais que j'allais perdre la vie. Donc si vous touchez le ballon, ça sera un point supplémentaire. Allez, beware. Oh, c'est le demi-tour. Il y a de la technique hein, quand même. Hein. Okay. Oh. Il a bien assimilé, ouais. Okay, oh, j'aimerais que ça fait. Faut pas le lâcher, frère. Malheureusement, tu n'as pas touché la balle. Vas-y. Où il est avant, vas-y. Tu tapes, pack, et de côté maintenant. Bien, lui. C'est n'importe quoi. Oh, oh, il a touché. J'ai touché. Un demi-point. La loose. Okay, j'ai très peur. J'ai très très peur. Donc tu commences. Il est si concentré, c'est trop mignon. Alex Noval. C'est son officiel. Officiel. Allez, la loose. Allez. Je fais quoi, là, en fait? Tu tapes par terre, tape par terre. Tape par terre, mon gars. Boum. Oui, et tu frappes. Oh, oh. C'est trop dur. Dommage. C'est très très dur. On a eu une bonne chance, il y a eu trop dur. Eh, c'est impossible à maîtriser. C'est vraiment trop dur, j'arrive pas à comprendre la logique en fait. Mouliner avant. Oula, oula. Ok, frappe au sol, c'est bien. Mec, c'est trop dur en vrai. Elle est belle, hein. Ça fait partie, ça fait partie. Attention. Va-t-il toucher là? Oh! Le point bonus. Check là, gros. Eh, t'as été fort, t'as été très fort. T'as été chaud. Maintenant, il va falloir que je désigne celui qui a fait le plus fidèlement. Donc je pense que je vais choisir toi. Oh, yes. Bien joué, Guigui. Toi, tu es le deuxième. Ouais. Merci. Bien joué. Je pense que tu es le troisième. On est dans l'ordre. Allez. Et voilà, toi, je pense que tu es malheureusement le dernier. Ouais, t'inquiète, j'ai l'habitude. Bien joué, en tout cas, on s'est donné. Eh, t'as été premier là. Eh, mais on s'est donné à fond. Les gars, on s'est donné, c'est pas facile. Donc maintenant, on va passer à l'épreuve de l'équilibre. Vous allez devoir rester en équilibre le plus longtemps possible dans une posture donnée. C'est aussi simple que ça. Donc pour les débutants, on commence beaucoup par cet équilibre-là. Le genou levé, et au bout de 30 secondes, on ferme les yeux. Bah, c'est chaud, y aller direct, sans entraînement ouais, comme ça. On se prend un peu d'espace. Vous êtes prêts ou pas? Non. Ouais. Concentrez-vous, soyez calme, vous pouvez y aller. Wow. Oh, balouze, balouze, balouze. Dans 10 secondes, wow, on ferme les yeux. Ah, t'as perdu. Les yeux, ça fait perdre l'équilibre. Ah oui. J'ai perdu. T'as perdu, là. Oh merde, putain. Fermez les yeux, maintenant. Ah, Michou, tu as perdu. C'est trop dur en fermant les yeux. Oh, okay. Ah, oh, attention. Oh, oh. Ah. On a un gagnant. Bravo, bravo. GG Piwer. On passe à la quatrième épreuve. On passe à l'épreuve de précision. Il va falloir réaliser mon enchaînement le plus fidèlement possible. Donc là, on passe directement à votre épreuve parce que je vous ai déjà montré le mode expert quand vous êtes rentré dans la salle. Ah, ouais, c'était ça. Ouais. Ok. Ah, la Corée là. Eh oui. On sent un danger. Quelqu'un nous met un coup de poing. On saisit le poignet. On frappe. L'éclate. Coup de pied droit. Équilibre sur pied gauche. Coup de poing droit. Attends, ça c'est le mode facile. Ouais. Ah, c'est le mode facile. Après, c'est normal parce que moi je le fais un peu plus rapidement. Ouais, c'est vrai. Tu blagues, on peut pas faire une roue. Bien sûr, moi je fais une roue sans les mains. Vous, vous allez faire une roue avec les mains, bien sûr. Mais ça va être ridicule. Mais... Et ensuite, on finit en toute position là. Qui veut commencer? Gizzy, ouais. Ok, blocage. Tu saisis le poignet, frappe tes bras comme ça, voilà. Maintenant, coup de pied. Pas, tu prends ton élan, roue. Et là, tu finis, tu t'enroules et tu finis comme ça. Comme ça. C'est impossible, bien joué, oh, c'est chaud. Hein. Franchement,
c'est super chaud. Frère. C'est trop dur là-haut. Qui veut passer après? Balouze, pense que Balouze. Je ok. Top par la maman. Il a fait la momie. Déjà c'est préparation. Voilà. Et maintenant tu te baisses et tu bloques. Tu saisis le poignet. Ouais, voilà. Okay. Tu fais en sorte que voilà. Ça. Oh. Maintenant vas-y. Voilà. Il a applaudi. Il a applaudi. C'est une catastrophe, putain. Et la finition. Oh. On se reprend, c'est à qui de jouer? C'est lui, je crois. C'est lui. Ah. Certain, sûr et certain. Voilà. Tu frappes. Ok, maintenant préparation, coup de pied. Très bien. Ouais. Oh. La roue. Bon, allez, bon. Au final, il est posé. Pas mal. Au final, il est trop dur. Il est toujours. En vrai, il est super bon. C'est que la fin qui est pas bonne. On a le dernier, c'est Michou. Est-ce que je vous ai dit que mon personnage préféré, c'était Black Widow? Allez mon frérot. Blocage. Pas. Ok. Pied gauche derrière pied droit. Très bien. T'as pas oublié les mains, c'est super. Maintenant t'avances ton pied gauche. Tu frappes, vas-y. Ok. Super propre. Ok. Ok, super. Maintenant on va passer à la décision. On va commencer par le dernier. C'est toi. Je suis désolé. Allez, non, j'ai mal vu. Il a un problème aussi. Donné, c'est ça le plus important. On passe au troisième, c'est toi. Oh, qui dit troisième? Ce qui se passe, c'est que pour moi, le plus propre, c'était Michou. Je vais nommer propre. Michou vainqueur. Yes! Maintenant, on va voir s'il y a une égalité. Ah oui, les résultats. Là, on passe aux résultats finaux de l'épreuve Kung Fu. Voilà, donc je vais annoncer le classement. Le classement de l'épreuve Kung Fu. Voilà, le classement de l'épreuve Kung Fu. Le dernier, malheureusement, c'est toi, Valouze. Bien joué, Valouze. Félicitations quand même, parce que tu t'es bien débrouillé. Voilà, l'avant-dernier, c'est toi, Michou. Franchement, de quelques points. On a nos deux finalistes. Ils sont à ex-aequo. Du coup, c'est les deux premiers ex-aequo. Eh oui. Attends. Les deux aux extrémités, voilà, il y aura un combat final, l'affrontement final. Ça sera une épreuve d'attaque-défense. Celui qui touchera le plus la tête de son adversaire avec sa main gagnera le challenge. Vous aurez 5 essais à tour de rôle. Et celui qui a le plus de points gagnera tout simplement le challenge. Black Widow. Bah, je vais vous montrer un exemple si vous voulez. Michou? Là, le but, c'est que je te touche, moi. Okay. Et toi, tu dois. Moi, je dois t'empêcher. Vas-y, essaie de bloquer. Bloque, et tu bloques. Tu es prêt? Non. Ok. C'est pas fini, il y a un deuxième. Waouh! Mais toi, il est tellement rapide. Donc, c'est à vous de jouer. Allez, c'est les gars. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, pierre, feu, ciseaux. Ok, très bien. Tu attaques. C'est paré. Il a touché. Ok. Oh, il a trop bien paré. Il est resté stoïque. Il a encore touché, il a touché. Tu mets pas cette force quand tu pars. 0. Fort. Ouh. Oh là, très beau. Celle-là était belle. Très propre. Très beau. Alors là, très propre. 2-1. Mais c'est sans balle. Attention. Oh, ça se regarde. Hein. Oh. Ah, non, oui, non. Oh. Il a une feinte. Alors, il a pas le droit de faire ça, mais il a le droit de faire. Et ça. Ouais, c'est, oh. C'est vrai qu'il y a plus de balle que ça. Bien joué. Dernier tour. Oh là 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 là. Le gagnant. Bien joué. Voilà, on a le gagnant, il est là. Fin d'épreuve les gars, c'était la dernière épreuve. Du coup on se retrouve maintenant dans mon studio pour les résultats finaux. J'en peux plus, mort. Les gars, je suis épuisé. Ah ouais, c'était pareil, une dinguerie. La vidéo touche à sa fin, mais d'abord, bien évidemment, les résultats finaux. En dernière position, Valouze. Aïe, 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 aïe. Il a tout donné. En troisième place, roulement de tambour. Moi. Ah, malheureusement. Les gars, je suis troisième. Ça va se jouer entre toi et moi. Du coup, ça se joue entre Piwer et Gizzy. Tout s'est joué sur le combat final du Kung Fu, puisque c'est Gizzy qui a gagné. Qui a remporté ces Jeux Olympiques. Mais le boss, mais j'ai lui. Ça se joue une claque. Sur une claque comme un petit revers. Yes, aïe, mon gars. Ça y est, c'est à toi. Et bah, déjà, j'aimerais vous remercier, les gars. J'aimerais vous remercier pour votre participation. Moi, honnêtement, j'ai pris ma petite revanche sur le cache-cache objet. C'est vrai. Où j'ai apparu une demi-heure. Ouais, c'est vrai. T'es plus. Mais ça fait plaisir, quoi. Merci à Marvel, Square Enix et PlayStation pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont invités, qui nous ont accueillis là. Fury Room, le dojo, tout le monde. Des énormes bisous les gars. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les potes. Ciao. Mouah. Oups, désolé pour le retard. C'est reparti. PlayStation.